Bonjour chers internautes et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin 2020, 12e dimanche du temps ordinaire. La célébration eucharistique de ce jour sera présidée par Abbé Elias Atingla, curé de la paroisse Notre-Dame de 10 janvier d'Aïtchidji. Il sera assisté par les pères Nassis Marie Tonoukouin et Romuald Tchakpa, aumônier de la chorale française et aumônier des marguillés de l'archidiocèse de Cotonou. Sans plus attendre, nous vous souhaitons une bonne prière. D'abord, Dieu Tout-Puissant est la force de son peuple, le protecteur, le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous d'abord, Dieu notre Père. Veille sur nous, conduis-nous toujours. Entends-nous d'abord, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. La grâce de d'abord, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son bien-être, Seigneur, soit toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, le Christ notre Sauveur, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre, et en défense Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous connais devant toute la nuit céleste, et devant vous, mes frères, que j'ai péché, en passé, en parole, par action et par action. Oui, je le confesse. D'abord, Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde. Daigne-nous pardonner nos péchés, ceux de nos années de progéniture, et conduis-nous à la vie éternelle.
prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, d'abord Dieu éternel et tout-puissant, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Dagbo, qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie au Dagbovie, chapitre 20, les versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais Dagbo est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas, leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Dagbo, Dieu de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez Dagbo, louez Dagbo, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, nous, c'est comme
Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au Dagovie. Chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Fofo Jésus, fils de Dagbo, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt Dagbo, votre père qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Ne vendons pas deux passereaux pour un as, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de notre Père, Dagbo, notre Créateur. Et vous donc, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père Dagbo, Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour, je le renierai devant mon Père Dagbo, Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux. Acclamons la parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Entendons Dagbo, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Chers frères et sœurs d'Abovie, bonjour. Aujourd'hui, 12e dimanche du temps ordinaire. Cela fait bientôt plus de 10 ans que Dagbo, Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre, qui a pris chair en notre sœur parfaite, s'est révélé au monde entier. N'est-ce pas? Nous l'avons vu, nous l'avons connu, nous l'avons suivi et nous avons cru en lui. Après 10 ans, en ce dimanche, Fofo Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous dit à nous, les témoins de la lumière, par 3 fois, soyez sans crainte. Par 3 fois, je dis bien, soyez sans crainte. Vous savez, il est très difficile d'être témoin de la lumière. Parce que lorsque la lumière descend dans l'obscurité de ce monde, depuis le temps des prophètes passant par Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, sa proclamation, sa propagation va toujours à l'encontre de beaucoup d'intérêts. Beaucoup d'intérêts sont menacés. Ceux qui avaient leur position confortée se voient déstabilisés. Mieux, Dagbo qui est venu dans ce monde aujourd'hui est venu mettre fin au règne de Belzéboul et de ses suppôts, restaurer son église, l'église que son fils a instaurée au prix de son sang. Et pour finir, restaurer le monde afin que le royaume des cieux s'établisse sur la terre. Vous pouvez donc constater avec moi que ce programme d'action de la mission de Bonhomme bouleverse l'ordre du monde.
les puissants qui étaient sur le trône, les riches de ce monde. Et cela ne peut que créer ce qu'on appelle beaucoup d'émoi. Voici que nous, Dagbovi, à qui Dagbo a donné la chance de le reconnaître, nous sommes ses témoins dans le monde. Il nous faut aller dire au monde entier que nous avons vu Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre, et qu'il est là pour accomplir tout ce que je viens d'énumérer précédemment. Ce ne sera pas facile. Mais le Christ nous dit, soyez sans crainte. Pas trois fois. Soyez sans crainte parce que vous l'avez entendu. Il dit, ce que vous avez entendu dans les ténèbres, en cachette, montez sur les toits et proclamez-le. Parce que rien n'arrête l'œuvre du Seigneur. Et nous en avons une preuve vivante. Le très saint Père, Pape Leo XVIII, cet homme exceptionnel, à qui Dieu a donné la grâce de l'accueillir. Le premier Dagbovi qui a accueilli Dagbo sur terre, c'est le très saint Père à l'époque, Abbé Victor Mathias à l'église romaine. Récemment, je me suis surpris à lire une publication où on venait pour la quatrième fois de l'excommunier et de publier ça. Entre 2012 et 2020, on l'a excommunié quatre fois déjà et publié ça. J'ai dit, tiens, mais arrêtez. En l'excommuniant à l'époque, il pensait que l'œuvre de la mission allait être stoppée. Il pensait mettre fin à l'œuvre de la lumière, à la propagation de la lumière sur cette terre. Et ils se sont trompés. Je ne sais pas si c'est ce qui motive la publication d'excommunication après excommunication, mais vous voyez bien que, parce qu'il n'a pas eu peur de perdre cette soi-disant soutane de l'ancienne église, l'œuvre de Dieu a continué. Et il nous l'a montré, il nous a dit, c'est Dieu votre Père ça. Je l'ai accueilli pour vous. Et nous y avons cru. Il y a donc en cela un besoin d'engagement de tous les Dagbovi du monde entier pour continuer à témoigner de la lumière, afin que nos frères qui sont encore dans l'obscurité puissent venir à l'admirable lumière de Dagbo. Vous voyez, le diable tient le monde par la peur. La peur. Et c'est pour ça que le Christ nous dit, soyez sans crainte. Parce que ce ne sont pas les positions que nous occupons dans le monde au cours de notre vie terrestre qui nous font gagner le ciel, qui est la vraie vie, la vie éternelle. Je me plais souvent à raconter une situation qui s'était produite en 2010, toujours avec le très saint Père, Pape Leo XVIII, où ses confrères, l'un de ses confrères, est allé le voir après avoir vu tous les miracles. Après avoir vu les témoignages, il lui a dit, mais je suis d'accord. Mais qu'allons-nous manger si on me renvoyait? Que vais-je manger? Vous voyez? La peur du ventre. La peur du ventre. Et ce confrère est resté. Il y a même un évêque qui lui a rendu visite expressément et qui l'a écouté avec attention et pas fini, il lui a dit, Mathias, ton affaire d'Esprit Saint là, il faut ranger ça quelque part. Parce que lorsque tu proclames que Dieu est là, on te tue. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Vous voyez? La peur. Alors que c'est lorsque tu témoignes de ta vie, tu témoignes pas ta vie de la lumière, de la vérité et de l'amour, que tu peux espérer avoir une place dans la vie éternelle. Dagbo lui a dit, sois sans crainte, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu des prophètes, Dieu le Père de Jésus-Christ, l'époux de la Vierge Marie. Il y a cru. Et jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de se propager. N'ayez donc crainte. N'ayez même pas peur. Parce que le Christ nous avait déjà dit qu'on nous bannirait, n'est-ce pas, des lieux de culte, des synagogues. Ou bien, que nos pères nous livreront
lorsque Dabo viendrait. Tout simplement à cause du témoignage que nous allons porter. Mais soyez sans crainte. Aujourd'hui, après 9 ans, la mission de Bonhomme est en plein essor. Et le royaume s'établit, ça avance. Et c'est à nous, Dagbovi, qui avons pris aujourd'hui de maintenir le cap, de garder courage et d'aller de l'avant. D'affronter tout, parce que nous avons vu la lumière, nous avons cru en Dagbo, chers frères et sœurs. Et ce n'est pas fini, j'ai bien dit pas 3 fois. Il dit, mais pourquoi vous craignez pour votre vie? Puisque c'est moi qui ai créé Lucifer, je l'ai maudit les deux Beelzeboul. Tout ce qui sort de lui vient de moi. Je suis le Tout-Puissant, ne craignez pas, même pour votre vie, car même les cheveux de vos têtes sont comptés. C'est Dabo qui décide de qui va vivre et de qui va mourir. Et la vraie vie ne se trouve pas dans les manifestations corporelles, charnelles. La vraie vie se trouve dans l'au-delà. Après que tu aies quitté cette enveloppe corporelle, où irais-tu? Ni l'épreuve, ni la violence, ni l'oppression ne doit empêcher un Dagbo d'exercer sa foi. Je me rappelle un peu, Dagbo nous révélait que Sainte Jeanne d'Arc, lorsqu'on l'a condamné, parce qu'on lui demandait de renier sa foi, de renier que c'est Dieu qui l'utilisait, qu'elle était serviteur de Dieu, elle a dit, jamais je ne me ferai allier avec l'obscurité, plutôt mourir. Et au milieu des flammes du bûcher, elle a dit, je ne piperai mot, jusqu'à ce que les flammes la consument. Et Dagbo nous révélait que, de l'autre côté, il attendait. Et elle a dit à Dagbo, père, pourquoi les as-tu laissé me tuer ainsi? Et Dagbo lui a dit, si tu étais mort, me verrais-tu ici? Cela veut dire que ce n'est pas seulement la chair qui compte. La vie éternelle, c'est ça qui est la plus importante. Et le Christ nous le rappelle, soyez sans crainte. Car c'est Dagbo qui est maître aussi bien de la vie physique que de la vie spirituelle. Il est le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Et le Christ ajoute que si vous persévérez, si nous persévérons dans la foi, dans l'obéissance, si nous persévérons dans le témoignage rendu à la lumière par notre vie, notre comportement, si nous témoignons de lui, lui aussi témoignera de nous devant Dagbo, Dieu son Père, dans la vie éternelle. Cela veut dire que la récompense qui sort, ce qui couronne les efforts que nous faisons à suivre la lumière, c'est une récompense éternelle. Beaucoup de gens, par crainte d'être rejetés des leurs, beaucoup par crainte d'être bannis de leur communauté, beaucoup par crainte de perdre leur boulot, leur emploi, leur époux, leur famille, ont vu la lumière et s'en sont détournés. À vous qui êtes encore là, je vous dis, maintenez le cap, tenez bon, parce que, qu'on le veuille ou non, le royaume des cieux va s'établir sur la terre. Malgré les efforts des hommes pour l'arrêter, ils ne pourront pas. Ce Dieu qui nous a appelés, qui nous a rassurés d'être sans crainte, car tout lui appartient, il est maître de toutes choses. Que ce Dieu-là vous bénisse. Qu'il vous donne la force de pouvoir cheminer avec lui afin de voir se manifester sa gloire dans votre vie et dans la vie de ceux qui sont encore dans l'obscurité en train de le chercher en vérité. N'ayez crainte, soyez sans crainte. C'est Dieu qui est le maître du monde. Dagbo, le seul et unique Dieu. Et comme je vous l'ai dit, un exemple vivant à côté de nous est le très Saint-Père, Pape Sœur 18, qui a su tout braver pour rendre témoignage à la lumière. Et grâce à son témoignage, nous aussi nous avons cru et nous sommes là. Béni soit Dagbo maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons nous lever, chers frères et sœurs, pour proclamer notre foi en l'unique Dieu qui soit, Dagbo, le créateur de l'univers visible et invisible. Je crois en Dagbo. Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de Dagbo lui-même,
né de la Vierge Marie, où il est devenu vrai homme et vrai Dieu. Il a souffert par les pharisiens et ainsi que ses frères, et sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Est descendu au royaume des morts, d'où il est ressuscité vrai Dieu le troisième jour, avant de monter auprès de Dabo, Dieu notre Père qui l'a envoyé. Assis auprès de Dabo, Dieu le Père Tout-Puissant, ce même Dabo qui est d'abord revenu dans toute sa gloire, se manifester au petit reste d'Israël, selon la promesse faite à Abraham et renouvelée à son fils à Galilée. D'auprès de lui, il renverra encore son fils, juger les vivants qui ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi, moi, dans ma vie, je confesse ma foi en Dabo, Dieu notre Créateur, lui qui est Père, Fils et Esprit, qui a péché en ma fête son temps par ma main, et dans sa très sainte Église en restauration, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Je crois en la fin du règne de Satan, et à la fin de la persécution des vrais adorateurs de Dieu. Je crois en toute la cause céleste, descendue avec Dabo sur la terre, à la nouvelle vie après les jours de tribulation, qui purifieront la terre, et à la vie éternelle, promise par Dabo notre Père. Amen. Chers frères et sœurs, prions Dabo, Dieu le Père, qui nous appelle à l'audace de l'espérance. Pour la très sainte Église de Jésus-Christ, ses pasteurs et ses fidèles, que l'annonce de l'attention de Dabo, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté à nos vies, apporte à tous réconfort et consolation. Dabo, Dieu notre Père, nous t'en prions. Dabo, Dieu de les peuples de la terre, que l'engagement et le témoignage des fidèles d'Agovie de la très sainte Église de Jésus-Christ soit source de paix et de consolation. Père très saint, nous t'en prions. Du monde et en particulier du Bénin. Que le message de l'Évangile inspire leurs choix et leurs décisions pour le bien de tous. Dabo, nous te prions. Dabo, que ce rassemblement dominical autour de Dabo, Dieu Esprit Saint, nourrisse sa foi, fortifie son espérance et la fasse grandir dans la charité. Père très bon, nous te prions. Dabo,
Dagbo, Dieu notre Père, tu es proche de ceux et celles qui t'invoquent. Donne à chacun de nous la joie de savoir te servir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble d'Agbovi, mes frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute la très sainte Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte d'Agbo, Dieu de miséricorde, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Avec vos aussi. Préparons notre cœur. Notre cœur appartient au Seigneur. Rendons grâce à d'abord notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dagbo, Dieu éternel et tout-puissant. Tu mets en œuvre ta puissance pour nous secourir dans les moments de grande souffrance et de peine, pour nous montrer combien de fois tu es grand. Oui, Dagbo, nous le reconnaissons, tu ne nous abandonneras jamais à la mort. Mais bien au contraire, tu
tu as pris cher pour nous sauver des griffes de ceux qui peuvent tuer le corps et non l'âme. Ainsi, notre existence ne sera plus périssable et notre vie sur cette terre deviendra un passage vers le plein salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À l'aime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où notre Seigneur Sauveur Fauché Christ a quitté le royaume des morts en tant que vrai Dieu. Nous te prions, Dagbo Dieu Tout-Puissant, sanctifie ces offrandes en répondant sur ta grâce, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Et les yeux levés d'Agbo, Dieu son Père, notre Père, il rendit grâce. Il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Qu'il est sous des sous non et oui, zisa mi ton et di mi tenti. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et les yeux levés au ciel à nouveau. Te rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude des d'Abovi qui seront choisis en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Dagbo le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Christ, nous soyons rassemblés par toi-même, Dagbo Dieu notre Père, en un seul corps. Souviens-toi, Dagbo notre Dieu, de ta très sainte Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec ton vicaire et frère jumeau de Foufou Jésus, le pape Christophe XVIII, ses collaborateurs directs les cardinaux, les évêques représentants de ton vicaire dans les diocèses ou non, en particulier ton humble serviteur, notre archevêque Éminence Lupi Junior, et les collaborateurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, notamment les âmes défuntes de tous ceux qui sont au cœur de l'Eucharistie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, d'abord de bonté et de miséricorde infinie. Sur nous tous, Dagbo ici présent, et d'ailleurs nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dagbo Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, à qui revienne tout honneur et toute gloire pour les siècles sans fin. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Dagbo. Délivre-nous de tout mal, Dagbo, Dieu notre Père. Délivre tous les Dagbo ici présents et d'ailleurs des ennemis visibles et invisibles. Délivre-les de toutes sortes de maladies, même des maladies incurables, des envoûtements et des mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pièges de Satan et ses suppôts. Fais la grâce de la santé et l'âme du corps, donne la paix à notre temps. Donne la paix aux Dagbo, donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes les athées qui tournent leur famille. Accorde du travail aux chômeurs, de la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine miséricorde, libère-nous de l'aveuglement du péché, libère-nous de l'endurcissement du cœur et rassure-nous devant nos ennemis et persécuteurs, en cette vie nous avons foi en ta puissance et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres ce dîner d'aujourd'hui,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités. Ne regarde pas en transgression de ta loi, le manque d'amour, le manque de miséricorde, le manque d'humilité, mais la foi et l'attachement de ta très sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui, tu veux cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Que la paix de Dabo, notre Dieu, soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs d'Abovi, dans l'amour et la charité de Christ, notre Sauveur, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dabo, Dieu notre Père, le Christ Sauveur qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ tenus dans cette coupe nous sont la vie éternelle. Amen. Ouah, et fofo Jésus Christ. Bye.
Le Seigneur nous dit, je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis. Prions encore le Seigneur. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Dagbo, notre Dieu. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit règne avec toi, Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, et qui règne maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Je vous salue Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, la Parole est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et pour vous, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Maman Marie. Maintenant.
Que toute gloire soit rendue à Dagbo, Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Comme il était à l'origine, maintenant et toujours, dans les siècles sans fin. Amen. Chers frères et sœurs, dimanche, jour d'action de grâce, nous allons rendre grâce à Dagbo, Dieu notre Père, pour tous ses bienfaits et toutes les grâces reçues en ce jour. Merci à la chorale Haye
du doyenné Saint-Michel de l'archidiocèse de Cotonou pour cette belle prestation. Que d'abord vous bénisse en abondance. Nous en profitons pour remercier tous nos confrères qui sont venus célébrer cette Eucharistie avec nous. Nous remercions également tous les clergés de la Très Sainte Église répandus à travers le monde, en particulier ceux qui sont en mission. Et nous leur rappelons qu'ils doivent être sans crainte. Soyez sans crainte car le Seigneur Dieu de l'univers est beau, notre Créateur est là. Nous remercions également tous ceux qui nous suivent en ligne chaque dimanche, qui ne sont pas encore d'Abovie, mais qui sont en chemin. Et nous leur disons, la porte est ouverte. La maison de Dieu, votre Père, vous est grandement ouverte. Merci également à tous les d'Abovie du monde entier qui nous suivent chaque dimanche. Merci et bon dimanche à chacun et à tous. Merci. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Que Dagbo, Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint vous bénisse. Amen. Allez demeurer dans la paix du Seigneur. Amen.